du fait d'être seul, isolé dans son environnement, peut également vous exposer aux facteurs de risque suicidaire. C'est tout ce qui regroupe les stress en milieu professionnel, les échecs, les séparations, les problèmes de couple qui peuvent affecter l'individu et l'exposer au risque suicidaire. Le fait d'avoir un bon étayage amical ou familial, c'est un facteur de protection. Le fait d'être bien entouré. Le fait d'avoir des croyances fortes peut également être un facteur de protection. Tout problème mental peut exposer à un risque suicidaire. Le fait de les prendre en charge tout est un facteur également de protection. Les problèmes de santé mentale, tout comme les problèmes de santé physique, peuvent être soignés à l'hôpital. Donc, si quelqu'un constate qu'il n'est pas honte, on doit faire attention aussi aux autres qui sont déjà dans cette situation pour les aider, pour les accompagner à l'hôpital pour une meilleure prise en charge.